Yo bande de rejets, c'est Dark Moon et on se retrouve pour une vidéo sur, enfin pas tout à fait The Crew, mais pour vous expliquer un petit peu ce qu'est les hot rods dans The Crew. Donc c'est des, donc vous avez sans doute déjà entendu parler, surtout de la classe spec, enfin la spec street de hot rod, qui était disponible pendant la bêta, enfin pendant les bêtas fermées, hein, parce qu'il y en a eu plusieurs, sur PC et sur Next Gen. Donc et j'aimerais vous en parler brièvement. Déjà, où les trouver? Et à peu près, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, ce sont des voitures, on va dire, gratuites. Faut juste trouver des parties dans les régions. Je vais appeler ça des régions. Donc par exemple, au Midwest, ça sera Street. En East Coast, ça sera Dirt. Au Sud, ça sera le kit Performance. Et Mountain Buggy. Donc c'est un buggy, mais c'est la classe Raid. Et West Coast, ça sera la paire circuit. Donc, il y a 20 parties de voiture dans chaque région. Donc, ça fois 20, voilà. Et donc, vous devez trouver ben, ces 20 parties pour avoir votre voiture dans votre garage. Et après, vous irez la chercher tranquillement. Et après, vous pourrez la customiser, excusez-moi. Bah, par contre, ça vous coûtera des sous. Mais bon, vous vous en doutez, c'est pas gratuit. Jusqu'au bout. Donc, dans la description se trouvent les liens des images de la map pour trouver les voitures. Donc avec le mat, ce qui est sur la chaîne aussi. On a bien saigné la bêta, en tout cas sur PC pour nous. Et on a trouvé beaucoup, beaucoup de parties de voitures. Donc je ne les ai pas tous trouvées, mais j'en ai trouvé au moins deux régions complètes, deux, trois. Et voilà, donc on s'est bien amusé, on a bien cherché. Donc voilà, donc tout est dans la description. Je vous invite à regarder. Donc enjoy et puis amusez-vous bien avec ces voitures. C'était Darkwing sur Polygaming.